Yo les gars, salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de quelque chose de très important que j'utilise dans toutes mes vidéos. Il s'agit tout simplement de ceci. Ça c'est quoi? Ça c'est le Color Checker Passport Vidéo. C'est de la marque X-Rite, très important. Si vous regardez les films américains, les films hollywoodiens, vous allez constater qu'il y a toujours sur des sets, ils utilisent toujours cet instrument-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, on a des palettes là. Ça c'est tout simplement avoir une acuité au niveau des couleurs. Pourquoi? Parce que ceci va vous permettre de dire le rouge est rouge, le jaune est jaune et le vert est vert. Certaines caméras sont beaucoup sensibles à la couleur plus que d'autres. C'est pourquoi j'utilise ceci. Pourquoi? Parce qu'il va me faire gagner beaucoup, beaucoup de temps en post-production. Parce que ça va être très facile au niveau de l'étalonnage de préciser à mon logiciel que ça c'est le jaune, ça c'est le rouge, ça c'est le vert. Ça va être très facile et me permettre d'avoir une acuité au niveau de la couleur de peau, n'est-ce pas, de mes acteurs. Et là, juste en haut, vous allez voir, on a le noir, gris et blanc. Ceci, c'est à quoi? Ça sert à avoir une bonne exposition au niveau, dans chaque cadre. Le noir va vous dire, hey, là, ça correspond au shadow, aux ombres, n'est-ce pas? Et le blanc va correspondre au highlight, qui représente tout simplement l'exposition maximale. Alors, si votre caméra utilise par exemple les zébras et vous avez par exemple réglé votre zébra à 90%, lorsque vous serez à 90%, là, vous aurez les zébras qui vont signaler à ce niveau-là que bon, nous sommes déjà au niveau maximal, n'est-ce pas, réglé dans l'appareil photo. Autre chose cool à propos de ce Color Checker Passport Vidéo, c'est tout simplement ceci. Vous allez voir, on a, ça vous permet, n'est-ce pas, d'obtenir une précision au niveau de la balance des blancs. Ça veut dire que le carré blanc, vous placez simplement devant votre caméra et vous cliquez dessus. Vous allez régler la balance des blancs en fonction de l'éclairage, de la lumière que vous aurez sur votre scène. Et là, vous allez voir la petite grille en bas. Elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à régler votre focus, à être sûr que votre focus est bien net en place. Vous pouvez le retrouver autour de 200-300 $ en fonction des sites, en fonction de votre location. Je trouve que ça, c'est un outil très, très important. Très, très important, je répète. Si vous êtes sérieux à propos de la cinématographie, si vous êtes sérieux à propos du filmmaking. Et en plus, il est très léger, très compact. C'est pourquoi il s'appelle Passport. Il est très petit. Vous pouvez tout simplement le glisser dans votre poche et l'emporter n'importe où vous aurez des tournages. Ok les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.